Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, aujourd'hui nous sommes dimanche. C'est le jour aujourd'hui que mon fils est venu ce week-end. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris les autres jours. Parce que vous savez très bien, pour certains qui le savent, que quand c'est le jour où mon fils vient à la maison, je ne fais pas de vlog. J'essaie que d'un côté de ne pas en faire, comme ça je sais m'occuper de mon fils. Surtout en ce moment avec mon fils, comme mes parents ne sont pas là, ils sont partis au Maroc. Pour moi, c'est difficile de m'en occuper parce qu'il sent qu'il n'a pas les gens qu'il connaît d'habitude, qui vont le chercher, qui parlent avec lui, qui rigolent avec lui, qui jouent. Vous savez, il a plus habitude avec ceux qu'il connaît qu'autre chose. Alors aujourd'hui, comme maintenant il est parti, et donc, vous avez vu que j'avais déjà mis mes chaises en hauteur. Alors, autant vous dire, niveau de mes chaises, vous voyez que j'ai mis des trucs en mousse sur mes chaises. Pourquoi j'ai mis des trucs en mousse? Car le chat a déjà commencé à essayer de mettre ses petites griffes sur une de mes chaises. Donc, j'ai commandé à Joom, j'ai commandé 6 housses, 6 housses pour les chaises en genre blanc, mais elles sont un petit peu beige. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Donc elles sont un peu genre beige. Donc j'en ai commandé 6, hein? Parce que ce genre de poil. Vous voyez ça, voilà, qui fait du va et du vient, hein, et qui est là, voilà. Lui, là, hein, il a cassé ce qui s'appelle un coin. Il a déjà abîmé un coin de cette chaise-ci. Je ne sais pas si vous le verrez, hein, mais il a déjà abîmé une des coins de chaise quelque part. Je ne sais plus. Déjà ici, on le voit déjà. Il y a déjà un coin, vous voyez, ici. Donc, j'ai acheté des housses. Esprit, on le voit ici. Hein. C'est de son bête. Hein. C'est de son bête. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Dès qu'il voit une mouche, dès qu'il voit une mouche, il est fou. Il est fou, il est fou, il est fou. Alors ici, j'ai commandé 6 pouces de chaise pour protéger mes chaises, pour éviter que cette boule de poils fasse des bêtises. Non, non, si, si. Hein? Monsieur, t'aimes pas. Hein. Ah, t'aimes pas, où était-le? Il va aller dans tous les coins. Parce que qui sait qui fait des bêtises, monsieur? Hein? Allez, Fourque. Fourque. Voilà, il fait que des bêtises. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Bon, donc autant vous dire que j'ai acheté 6 housses pour les chaises que j'ai commandées à Djoum. Je vais les avoir le mois prochain. Comme ça, je pourrai protéger mes chaises, je serai tranquille. Il fait terriblement chaud, j'ai mon appareil qui va, donc c'est pour ça que vous l'entendez faire du bruit. J'ai déjà passé à l'aspirateur ici, par terre. Il n'y a plus qu'à nettoyer parce que je ne vous dis pas comment il fait dégueulasse. Il y a des taches immondes, la preuve, hein. C'est une grosse, grosse tache de caca. Hein. Il fait dégueulasse. Il fait dégueulasse. On va premier, donc j'ai déjà mis mon lave-vaisselle en route, mon lave-vaisselle est déjà en route. Là maintenant, je vais faire la toute petite vaisselle. Donc ça, c'est la vaisselle qu'on avait déjà fait, que je demandais aux enfants de leur mettre. Comme ça, moi, je peux nettoyer. Ou alors, on leur mettra après. Mais je vais faire mon lave-vaisselle, ma vaisselle qui reste encore, que je n'ai pas su mettre dans la vaisselle, parce que le lave-vaisselle est à bloc. J'ai déjà les lessivé, toutes mes lessives sont faites. Je suis à bloc. J'irai que à replier, mais en haut, il faut pas faire, il faut pas laver, il faut pas nettoyer. En haut, c'est propre, à passer à l'aspirateur, et c'est bon ainsi. Parce que ma fille a fait, je crois, vendredi, elle a nettoyé le haut. Donc, moi, aujourd'hui, je vais nettoyer le bas, comme ça, au moins, ce sera fait. Ainsi, on est tranquille. Comme ça, mercredi, nous pouvons partir. Et je vous dirai quoi après. Donc en ce moment, nous allons faire ça et je vous mets en mousse de motivation. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment la motivation,
de ménage. Vous voyez que j'ai bronzé énormément du. Hein? Mais bon, c'est le sommeil. Motivé! Thank you.
Voilà mes amis, j'ai fini de nettoyer, vous voyez un peu à peine, je pourrais vous mettre là s'il faut, c'est ce que je vais faire, je vais vous mettre de l'autre côté, là, vous me voyez maintenant. Donc là maintenant j'ai fini de nettoyer, je suis en train de m'aventurer dans mon épouvante, hein. Hein, vous avez vu que j'ai nettoyé ici, nettoyé côté salon. J'ai fait la cuisine. Je ne vous ai pas montré la cuisine parce que bon, elle est tellement petite. Le corridor à fait. Le corridor aussi est tellement petit, petit, petit. Mais il faut le faire. Il n'y a rien à faire. La toilette est vraiment minuscule. Hein. Bon. Alors, autant vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, vous aurez cette vidéo aujourd'hui, hein. Aujourd'hui dimanche. Il y a un chat qui va monter sur, voilà, il vous cache la vue, hein, excusez-le, il vous cache la vue, hein. Malheureusement, Iné, Minou, dis s'il te plaît, de voir les abonnés, c'est pas possible, hein. Bon, avec quoi, on va faire le rideau, comme ça vous me voyez, hein. Moi, il y a un peu, mais pas beaucoup, mais c'est pas possible. Et comme ça, vous me voyez? Ouais, vous me voyez. Donc, autant vous dire que j'ai nettoyé la maison pour moi être tranquille. C'est comme je l'ai dit là tantôt. Comme ça, pour partir, la maison, elle est propre. Oui, nous partons. Oui, 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 nous partons. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé qu'on partirait à un parc animalier du côté de Blackenberg. Donc ça s'appelle le zoo de Blackenberg. Il y en a beaucoup qui le connaissent, surtout ceux qui connaissent, qui savent, qui connaissent Bruxelles, un peu plus loin de Bruxelles, hein. C'est presque dans la frontière française. Nous partons à Blackenberg et on revient dans la soirée. Donc c'est un parc qui ouvre à 10h et ferme à 8h, à 18h. Hein. Donc on va pour toute la journée là-bas. On va passer un bon moment. Autant vous dire, c'est le fameux parc, logiquement, on devait aller le 13. Et ça avait été annulé parce que, rappelez-vous, je vous avais parlé que pourquoi j'étais partie. Car ma fille n'était pas bien. Hein. Beaucoup de certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Hein. N'ont pas, hein. Voilà, alors je leur ai mis ben, clairement, écoutez la vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux. C'est un peu normal, c'est logique. Hein. Bon, voilà. D'autres ont bien compris. Alors, autant vous dire que j'ai fait toutes les démarches que pour que d'un côté, on puisse partir là-bas au zoo. Et la réponse a été accordée. Donc, nous partons, j'ai reçu les billets vendredi. Nous partons, bien sûr, le mercredi. Donc mercredi qui arrive, enfin, nous partons à Blackenberg. Donc ici, on va essayer de voir moi et mon fils. Je sais tout mettre en hauteur, il n'est même pas à fond. Je vais prendre avec. On va essayer de voir d'un côté si on peut avoir un train qui va direct à l'entrepôt, là où on vit, du côté où on vit, jusque... Malines, et puis de là, ben, on n'aura plus qu'à descendre et de faire le reste à pied. Comme ça, bon, dès qu'on est dans le train, on va essayer de trouver si on ne sait pas avoir un train direct de là où on vit, de là où on est, qui va jusque Malines. Comme ça, au moins, on est tranquille, ça fait, on restera une heure dans le train, c'est pas pour une demi-heure dans le train, au moins, on est tranquille. On arrive à bon port. Bien sûr, il faudra se lever très, très tôt, mes amis. Et oui, à 5 heures du matin, debout pour aller à Malines. Mais bon, vous serez là pour le voir. On va faire une vidéo. Je vais faire une petite vidéo. Il y a certaines choses que je ne vais pas vlogger, que je vais tenir pour nous. C'est un peu normal. Et il y a des choses que je vloguerai devant vous autres, de comment notre séjour va et tout. Comment est le parquet un peu, ce sera peut-être un petit vlog ou un grand vlog, ça vous le verrez, hein. D'un côté, s'il y a un spectacle, bah bon, parce que je sais que des fois, il y a des spectacles d'animaux, quoi que ce soit,
Donc, si d'un côté il y a un spectacle d'animaux, ben, je vous le montrerai. Peut-être les fous rires qu'il y aura entre nous, il y aura peut-être aussi. Ça, vous verrez un peu. Mais nous partons le 27 à Malines et on va bien s'amuser, mes amis. Et on va bien, 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 bien s'amuser, pas long. Alors, autant vous dire que, vous rappelez que je vous avais parlé qu'on a un fameux, fameux, fameux gros projet à faire. Et je compte vous en parler sur cette vidéo parce que cette vidéo n'a pas beaucoup de rebond. Hein? J'ai pas fait beaucoup. Alors, autant vous dire que le fameux projet qu'on a en ce moment, moi et les enfants, ça va vous faire bizarre un petit peu pour vous, si bien pour moi, mais on ne sait pas si c'est accordé ou quoi, on n'en sait rien encore. On va commencer ce projet-là dès qu'on sait. On compte, autant vous dire, moi et mes enfants, déménager. Voilà. On compte partir de ce logement, hein. On compte s'en aller. Parce que beaucoup de certains d'entre vous savent très bien qu'il y a trois chambres et nous sommes à quatre. Donc, hein, c'est un peu serré. Beaucoup d'entre vous savent très bien que la chambre de mon autre fils qui vient un week-end sur deux est tellement petit, hein, fort étroit. Et d'un côté, on a envie, c'est que tout le monde ait sa chambre. Beaucoup d'entre vous savent très bien que mon fils dort avec moi. Et donc, c'est serrant, c'est serrant. Hein. Mon fils, il a un lit d'hôpital. Donc, il est obligé d'avoir toutes ses affaires à côté de lui. Mon autre fils, c'est un garçon. Donc, je ne vais pas le mettre, ma fille, avec mon autre garçon. Ça se fait pas non plus, donc elle dort avec moi en attendant, mais on voudrait bien avoir une maison avec quatre chambres. On a trouvé ici une maison avec quatre chambres, deux salles de bain. Donc il y a quatre chambres, deux salles de bain, un immense grand jardin. Il y a deux garages, donc un garage et un contenant. C'est pas vraiment un garage, c'est un genre d'abri où tu stockes tout ce que tu as envie. Une cour, mes amis, immense, immense, immense. On peut mettre une piscine. Il y a déjà, c'est une forêt. Derrière la maison, c'est une grande forêt. Les gens, ils ont mis des arbres partout. On se croirait dans un bois. On se croirait dans un bois. Ils ont mis un lac aussi où il y a des poissons dedans. Je ne sais pas s'ils ont encore des poissons dedans, mais c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a deux salles de bain, deux toilettes, il y a trois salles à manger, non, une salle à manger, une cuisine et une arrière-cuisine. Et il y a deux salons, et il y a une salle de séjour. Voilà, une salle de séjour. Il y a un corridor. Il y a une pièce vestiaire, hein, il y a une pièce vestiaire, il y a une cave, il y a deux grands garages, mais c'est immense. En voyant ainsi dans les photos, on ne dirait pas que c'est immense, mais en réalité, c'est immense. Donc on compte partir, on va essayer de voir si on sait partir, c'est ça notre projet, c'est d'essayer de déménager d'ici, voir si on peut déménager, si on peut. Ben, vous serez là pour le suivre. Voilà. Ça, c'était notre projet. C'est notre projet que d'un côté, je ne voulais pas vous le dire, je vous le dis quand même. Mais on n'en est pas sûr que ça soit accepté. Donc, on attend les réponses. Alors, bien sûr, ça parle bien. Donc, je vous expliquais qu'on partait bientôt au parc. D'ici bientôt, il va y avoir peut-être une vidéo spéciale parc dinosaures. Il y a un musée dinosaure qui va se faire bientôt, pas loin de chez nous. Donc, je compte le faire pour mes enfants, pour l'anniversaire de mon fils. Donc, celui qui vient un week-end sur deux, je compte faire ça pour son anniversaire. Comme ça, au moins, bon, papy, mamie sera revenu du bled. Et là, au moins, il pourra profiter de son papy et de sa mamie.
Donc je compte faire ça. Et donc voilà, moi aussi, ben, vous avez un petit échantillon de ce qui pourrait se passer bientôt. Beaucoup d'entre vous me disent, oui, mais on voit que tu ne vlogues pas beaucoup. Que, bon, d'un côté, je ne vlogue pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de se faire et c'est ça le projet. Le projet énorme, énorme, énorme. Et c'est pour ça que d'un côté, ça me bug un peu. Mais on va y remédier tout ça. On va y remédier tout ça. En pensant que d'un côté, j'ai une vidéo à vous faire et je dois la faire aussi. J'ai une autre vidéo à vous faire aussi. Je dois vous la faire aussi. Mais quand le faire, c'est ça le problème. Là, il fait trop chaud. J'attrape beaucoup de malaise en ce moment à cause qu'il fait trop chaud. J'ai des malaises, je tombe par terre et ça me fait perdre ma perte de conscience. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne suis pas beaucoup à faire de vlog pour vous, malheureusement. Mais bon. Hein? Alors ici, je vais arrêter la vidéo. Je reprendrai tantôt. Et je reprendrai tantôt pour clôturer cette vidéo. Hein, où je pourrais la clôturer maintenant. Ouais. Je vais, vous savez quoi, je vais pas attendre tantôt. Je vais vous la clôturer maintenant. Comme ça, moi, je peux aller prendre une douche. Car j'ai les mains chaudes. J'ai ça qui est chaud. J'ai. Regardez ça. Regardez ça, c'est tout dégueulasse. C'est une horreur. Une horreur, une horreur, une horreur. Horreur, horreur. Quelquement une horreur. J'aurais pu d'un côté vous faire une vidéo avec mon masque. Ça fait beaucoup, hein. Ça que je fais, dès que j'ai fini, je fais un masque pour être sûr que ça soit fait. Mais je ne vais pas le faire. D'un côté, je vais arrêter cette vidéo pour comme ça je peux aller faire mon masque. Et je peux au moins me laver aussi et me raser. Tout ça ici, on dirait un monsieur. Mon fils, il m'a dit, on dirait un homme. T'es pas une femme, t'es un homme, maman. Je dis, mais ça va aller. Il me dit, mais maman, on dirait un homme. T'es pas une femme, t'es un homme. Je dis, oh, que je fais. Bon, allez, moi je vous laisse. J'espère que cette petite courte vidéo, parole et nettoyage vous aura plu. Et on se retrouve pour un prochain vlog. Si vous êtes nouveau dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et aussi de mettre un joli commentaire. Pas autre chose. Allez, moi je vais vous laisser. Et, ah, j'ai oublié, pour ceux qui sont sur Facebook, vos photos sont magnifiques. Vos fous de gourir sont magnifiques. Qu'est-ce que je vais encore dire? Beaucoup ont mis des photos de vacances ou quoi que ce soit. Magnifique. Magnifique. Vous faites des magnifiques. Je vous mets aussi des pouces. Pourquoi pas? Il faudrait peut-être pas dire. Ben, je vous mets des pouces. Ou des cœurs. Ou des cœurs. Hein? Allez. Magnifique. Vous êtes tous magnifiques. Vous savez ça? Non, je pense pas. Ils sont magnifiques.